Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia, qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, auprès de vos proches. Et surtout, surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouvelles de votre chaîne, je vous demanderai très modestement, très humblement de vous abonner et de faire abonner vos connaissances, les gens qui sont auprès de vous, partout où vous y êtes, afin d'y être informés très très rapidement, et ce en toute primeur bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et un grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 291e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire le ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais, oui, vous le savez désormais, chers amis, le CQFD de votre bled maghrébin ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer, comme à son habitude, très très brièvement, en quelques mots, quelques phrases qui ont été tirées ici et là, faisant justement cette actualité de cette région méditerranéenne. Et le présent CQFD, justement, se consacre encore une fois, oui, encore une fois, à cette Algérie qui cherche et qui recherche à relancer cette fameuse ligne maritime avec, vous savez qui? Eh bien, avec cette Mauritanie. En effet, ce ministre algérien des Transports, ce Issa Bekay, a déclaré mardi dernier que la ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie démarrera entre le 20 et le 24 février prochain, de manière régulière, paraît-il. Oui, ça ne reste que encore un projet. Oui, ça a déjà été discuté bien auparavant. Et justement, ce Issa Bekay a été invité sur la chaîne de télévision. Vous savez laquelle? Eh bien, Chorok TV, sa télévision. Il a assuré que son ministère a ordonné avec le département du commerce et des exportateurs afin que cette ligne soit effective et permanente, afin de soutenir la coopération, paraît-il, entre les deux pays, à savoir cette Algérie et cette Mauritanie. Décidément, ce Issa Bekay a lui aussi a également annoncé que cette ligne maritime sera soutenue, oui, sera soutenue, comme ça a déjà été dit auparavant, par la ligne aérienne. La ligne aérienne, vous entendez bien, vers Nouakchott et le Sénégal. Le discours de ce supposé responsable, oui, le discours de ce supposé responsable algérien sur le lancement de cette ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie intervient juste quelques semaines après que son pseudo-président, oui, son pseudo-président algérien au nom imprononçable. Oui, c'est AT, AT, aux initiales AT, et c'est à vous de prononcer le nom, a ordonné l'ouverture d'une ligne maritime avec la République islamique de Mauritanie. Et, vous savez quoi? Dans les meilleurs délais. On verra dans quel délai. Pour rappel, cette même Algérie avait précédemment annoncé le début des travaux sur cette ligne régulièrement en avril de l'année dernière déjà. Oui, en avril de l'année dernière. Mais il n'en est rien, rien, sauf
Un premier voyage avait été même effectué sans qu'il y ait un deuxième. Ben, on ira probablement vers un deuxième voyage. On verra, chers amis. Et à l'époque, donc à l'époque de ce premier voyage, cette même agence APS, oui, Agence Presse Service, au service de ce régime, avait même indiqué que cette ligne, écoutez bien, réduirait le délai d'exportation vers la Mauritanie à 5 jours et qu'un départ est prévu tous les 20 jours pour exporter divers produits algériens. Mais on ne sait lesquels. Quels produits algériens vers la Mauritanie? Oui, comme si la Mauritanie a besoin de produits algériens que l'Algérie manque elle-même. Donc des produits non seulement pour la Mauritanie, ainsi que pour ces pays africains voisins. Mais l'Algérie est en déficit de tout produit, y compris les produits de première nécessité. Bah, alors on ne sait de quel produit va exporter cette Algérie. Plus encore, oui, plus encore. Cette Algérie veut renforcer son rôle régional à travers le volet économique. Mais on ne sait de quelle économie non plus. Ce gouvernement, décidément algérien, souhaite aussi se débarrasser de ce qui est appelé le complexe de la rente pétrolière. Bien que cet effort reste insaisissable, on ne sait comment, compte tenu des obstacles, plein d'obstacles structurels et organisationnels, de sa faible compétitivité des institutions algériennes, ainsi que les obstacles, tant d'obstacles, nombreux obstacles liés à l'environnement local. Mais alors on ne sait pas comment cette Algérie pourrait rétablir ses exportations vers tout, vers d'abord la Mauritanie et puis ce qu'ils appellent les pays africains voisins. Juste pour rappel, chers amis, en août 2018 déjà, oui, en août 2018 déjà, cette même Algérie avait inauguré une route frontalière sur le désert pour exporter ses produits, toujours on ne sait de quel produit, vers la Mauritanie et les pays d'Afrique de l'Ouest. Et cependant, oui, cependant, la longueur de la route et le terrain difficile, très difficile, l'ont rendu presque hors service, pour quasi dire nul. Donc, ils sont revenus en arrière pour l'arrêter tout simplement. Et donc, cette Algérie cherche et se recherche. Et cherche donc par sa route, une route terrestre. On parlait de maritime, ici il s'agit de route terrestre avec la Mauritanie, à laquelle on a joint cette ligne maritime. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement, paraît-il, à concurrencer les exportations marocaines. Oui? Concurrencer les exportations marocaines vers les marchés ouest-africains. Mes chers amis, cet objectif, en tout cas oui, cet objectif reste loin, très loin d'être atteint, pour ne dire quasi pas, compte tenu de la différence, une grande différence de coût d'exportation et de la diversité justement de ces exportations, des exportations, la diversité des exportations marocaines par rapport à leurs homologues algériens qui n'ont rien même pour chez eux. Et donc, chers amis et chers adeptes, c'est sur ce constat, oui, c'est sur ce constat que se termine cette petite séquence, cette courte, très courte séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets
lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous. Un tout grand merci pour votre confiance. Un tout grand merci pour votre fidélité. Merci pour votre patience. Et merci surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, n'oubliez pas d'aider votre chaîne qui en a tant besoin de vous, en vous y abonnant, en faisant abonner tous les gens qui sont autour de vous, partout où vous y êtes. Et soyez très très nombreux afin d'y être informés très très rapidement des dernières nouvelles. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas, de partager au grand maximum, oui, au grand maximum autour de vous, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis, l'asdiqa, salamu alaikum, wa rahmatullah, wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt, ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah, ma'a salama.